Salut à tous, à tous, c'est Gamer 67 et on se retrouve pour un nouvel épisode de Perfect Dark. Doesn't sound like a problem to me. Where are these explosives? In that crate. Ouais, il appuie sur un bouton qui n'existe pas. By the way, the stores are crawling with guards. It may go against your nature, but try sneaking through rather than blasting everything. Certainly. Any other pearls of wisdom? That crate. Yes. It really doesn't like being shot. Oh, je suis pas envie de recommencer sa mission. Même pas? Voilà. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pu jouer à Perfect Dark et j'ai besoin de contenu pour mardi. Et je vous tourne ça, j'ai un de rentrée de cours. Meurs. Donc je vous rappelle le contexte, on est au secteur 51. Ouais. Et dans ce secteur, on doit aller sauver un alien. Qui est apparemment l'un de nos contacts. J'espère juste que j'aurai pas recommencé la mission. Parce que alors je vais prendre du retard dans mes uploads. D'ailleurs au moment où vous tournez ça, je vais vous tourner ça en mode très moderne. Ce sera très à l'heure. Parce que je vous tourne ça et le jour avant. J'espère que ça vous plaira. Ok. Petit bouclier. Merci. Il faut sécuriser les lieux, si vous avez bien vu, l'explosif peut un peu exploser. Tiens. Quelqu'un là-haut? D'ailleurs, si vous avez remarqué, j'ai un nouveau lit. Avec, donc il y a eu du changement dans ma chambre. Pour voir si les lieux sont sécurisés. Bonjour. Ah non. Je préfère utiliser assez de balles. Bon, c'est pas par là qu'il fallait aller. Mais je vais préférer nettoyer la zone. J'ai pas envie de recommencer la mission. Donc ça va prendre le temps qu'il faudra. Mais on va réussir. Ok, c'est bon. Vous pouvez pas descendre par là? Si. Voilà. Mais t'as pas mal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez d'FPS sur la vidéo. Bon, en même temps, le jeu il tourne en 50 FPS. Et je crois que j'arrive pas à faire tourner du 50 FPS. Enfin, j'ai déjà essayé avec OBS et ça marchait pas trop. Il n'y a pas une astuce genre. Si je me mets un menu et que si j'appuie genre sur A, non, y a pas une connerie dans le genre, on peut la porter. Cela en fait, c'est juste la cogner là ce que je vais faire, et c'est ça qui est chiant. Caisse de merde, viens là. Qui a inventé un ascenseur qui monte et qui descend sans qu'on l'appelle? Non! I don't want weapon! Après, je vais faire un misclick et je vais tirer sur les explosifs et je vais rage quit. Ça va prendre le temps qu'il faudra, les mecs. Vas-y, rentre, rentre. Pas trop, pas trop. Parfait. Reste, reste. Je suis sûr qu'il y a un bouton.
L ou R. C'est pas possible. Allez, sort. Reste. On dirait que je parle à mon chien. Ah putain. J'ai une fois la laissée là. Je crois pas que c'est nettoyé par là. Ok, go. Ouais, ça n'a pas été nettoyé. Bonjour. 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 C'est ça le souci, il faut nettoyer la zone. Alors normalement bientôt j'aurai peut-être un casque, j'essaye parce que j'ai récupéré un casque mais la prise USB est niquée. Et donc il faut que j'achète un truc pour la remplacer. Et voilà. Bonjour. Headshot. Ça doit être bon. Non, non, non. Hop, porte de merde. On va aussi voir là-haut s'il n'y a personne. Non. Bonjour. Dans le torse. Et normalement, il n'y a plus personne. Et si je prends les Scanix. Oui, parce que vous avez compris que les explosifs servaient à quelque chose. Hein. Voilà. Vers là. Ok. On se remet à main nue et on va chercher ces explosifs. Donc je ferai pas des. Oh! Bonjour. Je sais pas d'où il venait. J'ai peut-être pas dû l'achever. Ou si il repop, mais non. Ok. Attention aux explosifs. C'est chaud à transporter. Non, pas les prendre comme ça. Il y a vu, je suis sûr qu'il y a un bouton pour les emmener. Normalement, on peut genre prendre, aller sur la caisse. Et si genre on appuie sur B. Non, B c'est pour désarmer. Bon, bref. La mission va durer longtemps, hein, je vous promets. Voilà, c'est en même temps, c'est ça les missions d'infiltration. Hein. Vous vouliez un let's play rapide, allez vous faire foutre. Hein. Reste ici, reste ici. Oh non! Non! Je sais pas d'où tu sors, mais meurs. Vite, faut que je les bourre à l'intérieur. Vite, rentrez. Je crains qu'il y ait quelqu'un là-haut. Non, c'est bon. Vite, faut que je les bourre pour les sortir. Sortez! Putain! Ils sont coincés! Pas possible! Oh putain, j'ai trouvé. Il suffit d'appuyer sur B. Bon, au moins, on a trouvé. Bonjour. C'est long, hein, je vous promets. Où exactement? Ici? Là? Où exactement? Je pense que ça doit être là par exemple. Donc j'enlève mon scan. Au cas où si je me foire. Système. Voilà, petite sauvegarde rapide. Ensuite, on vient prendre le dragon. Voilà. C'est
C'est pas exactement là, c'est où? C'est où alors qu'on explose? Ici. Ok, on a 3 minutes, donc sauvegarde rapide de nouveau. Il faut que je trouve où il planque l'alien. Bonjour. Mais j'y suis. Hello. Cette porte est fermée. Damn it. Je sais pas si ça sert à quelque chose. Cette porte là alors mais par là c'est un truc à pirater vu que j'ai un récepteur. Il doit y avoir un truc à pirater. À mon avis, le truc de cryogénisation, c'est pour un autre objectif. On a failli griller la couverture. Bijoul. Accéder à la d'autopsie. Bijoul. Hey, that's not Harry, it's an intruder. Oups. Don't come. Ok. On a avancé, donc F5. Voilà, on va marcher sur la safe state. Pour éviter de tout refaire, ça fait quand même 10 minutes. Alors, est-ce qu'on nous dit de plus d'infos pour l'objectif 3? Une fois dans le labo, entrer dans la salle de souci à faire en plus. What? Ils ont popé comme ça. Alors j'ai le dragon et le super dragon, ok. Don't move, motherfucker! Mais non! C'est pas possible! Oh
Vas-y, ouvre la porte. Attends, ils nous disent quoi exactement? Certaines cartes ne fonctionnent pas. J'ai laquelle? Carte Medlab 2. Je dois pas avoir la bonne à mon avis. Ou alors faut que j'utilise devant. Genre en mode. Ça y est. Non. Je dois pas avoir la bonne. Oui, on perd du temps, je sais. Écoutez, faut que je finisse de tourner cette vidéo. Sinon, mardi, on n'aura rien. Bonjour. Je sais pas si j'ai la bonne. J'ai la bonne, c'est bon. Et c'est fini. On a réussi cette mission. Hein, genre. J'ai pas du tout été discret. Hein. Bon, 13 minutes, 50% de précision, 9 tirs à la tête. On sait très bien. Pour la prochaine mission, on aura rencontré l'espion de l'Institut Carrington, localisé le hangar secret et quitté le secteur 51. Je vous laisse ici sur cet épisode. À la prochaine. Bye tout le monde!